Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfant pour un nouvel épisode de Darkest Dungeon. Cette semaine, j'ai plus le temps de jeter un oeil là, on avait déjà tout bouclé. Ouais, hop, on avait tout bouclé, on était bon pour faire des donjons, d'accord, ok, on a une... Là, attendez, il me faut une équipe viable là, là l'équipe n'est pas viable. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qui se passe dans le dans l'espace? Il y a du stress, mais j'ai pas soigné tout stress là. Il n'y a pas de place, c'est ça? Ouais, non, c'est que tu peux pas. Vous, c'est en traitement. Ah, d'accord, j'ai gardé la même équipe. Ah, problématique. Et bah, s'il est bon. On va peut-être pas tenter le diable là, en fait, un peu. Je vais partir avec une équipe de niveau 1 plutôt, et on va mettre en traitement l'équipe de niveau 3. Dis donc, je l'avais pas fait. C'est nul. Débile. Pourquoi je l'avais pas fait? Un peu bête de ma part, non? Doc 2000. Ouais, genre j'ai pas assez. Ah oui, d'accord, c'était peut-être aussi pour ça que je l'avais pas fait. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai pas fait. Hein, c'est ça. Bon, de la rage 975. Ouais, j'aurais peut-être pas dû faire tout ça. J'aurais mieux fait de garder des pesos. Et hop, toi tu dégages, toi tu dégages. Il va me falloir l'huissier de justice. Ouais. Et bah vous deux, alors par contre je sais plus c'est dans quel ordre, je crois que c'est toi comme ça et toi comme ça. Ouais, tes places c'est cool. Ok, ça me paraît pas mal. Non, ça c'est trop gros ça pour vous. Buter une harpie desséchée. Non. Bien, on vient à peine de se remettre, et je dis bien à peine. Non. C'est un truc de croisé ça encore. Ah oui, t'es pas équipé ton en croisé. Dis donc, t'en as un. 10% capacité de soins, ok. On connaît déjà. Et je crois que c'est des parchemins encore qu'il nous faut, donc ça pourrait être pas mal, mais c'est un donjon court. Je voudrais un donjon un peu plus long. Éliminer un prophète tonitruant. Ça me paraît risqué. L'harpie desséchée. C'est que des donjons courts, et après, sinon, c'est une harpie desséchée. Ouais bah tant pis, on va partir sur un cours. Je voulais qu'on fasse un donjon moyen. Parce que là l'équipe... Ouah, t'es blindé toi, laisse tomber, t'es fait, t'es refait, t'es surfait quoi. Je pense pour son... Ouais d'accord, ouais, on ira pas loin avec cette équipe là. Donc on va se contenter de faire quelque chose d'assez simple. On m'a filé des bandages. En bouffe je vais être vachement restreint. Tant pis, je vais prendre deux bouffes. Allez, go. Ah non, j'aurais peut-être mieux fait de prendre un truc, des herbes médicinales en fait. On a pas mal de chance dans la futée de croiser de la bouffe. Et on optimise avec, avec une herbe médicinale. En plus d'éviter de se prendre le malus. Dis donc, j'ai du mal. Hein. Je rame aujourd'hui. Excusez-moi, c'est parce que j'ai pas encore bu assez de café là. En train de couler, hein, c'est pour ça que j'avance pas beaucoup. Hein. J'avance à vitesse que je peux. 90% des pièces, c'est très bien. On a commencé déjà avec. D'accord, avec une bavure de ma part. Non, ça a été esquivé, c'est très bien, c'est parfait. Hop. Le sac est vide, évidemment. Un combat. Oh, magnifique. La merdouille de la merdouille. Faible des merdouilles du monde. Oui, ça sera très bien dans quoi. D'accord, ça résiste à tout, c'est magnifique. Une résistance au saignement à combien hein? 40%. Peut-être essayer de vous achever tout court. Hein. Voilà. Court, c'est bien aussi. Hop. On va tirer. Ah, bah là, c'est vert, t'es remonté, toi. On joue tous avant lui, on va dire que. Bon bah voilà. Ouais, donc j'ai même mon palouf qui joue avant quoi. Ah vitesse 3, ah ouais le palouf est motivé. Le palouf court. Et d'ailleurs le palouf, toi tu as quoi? Tricheur patenté et turne. Mon dossier à torche est à moins de 26. Ouais, ça va être compliqué, ouais. Ça va être compliqué. On sent bien que ça va être compliqué. Hein.
En plus, faut que je fasse les deux chemins. Voilà, j'aime pas ce type de donjon là. On n'a pas observé les lieux. La surprise pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du matos. Cool. Je prends. Du matos, je prends. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ouais, donc il faut vraiment que je fasse impérativement les deux côtés. On va économiser en faisant en évitant la salle du fond. J'ai pas pris de pelle. Ouais, ouais, je sais, je suis con. Ouais, ouais, j'ai pas été très malin. Pas de torche, pas de pelle. Mais j'avais même pas assez pour... Ah, très bien, un petit repérage. Tac, tac, tac. On sait qu'il y aura une pièce vide et un mur entre les deux. Donc parfait, on n'ira pas jusqu'au bout. Ça me va très bien. On n'ira même pas dans le couloir. Rien à faire, on sait qu'il n'y a rien au bout, il n'y a rien d'intéressant. Regardez ce qu'on a looté. Cool. Ok. Un shot là-dedans. On réitère. Un shot là-dedans. On réitère. Ah, réitère critique. Hein. La motivation. Le chien après? Ah. Ah non, pas le mettre au chien. Ok, alors. Ah, il n'a pas le stress heal. Ah, il ne soigne pas contre le stress. Ici, il ne soigne pas contre le stress. C'est un peu dommage. J'ai oublié de modifier ça. La compétence. Bon, par contre, on devrait looter. Hein. Là, on est dans l'obscurité noire de l'absolu. On devrait commencer à pouvoir looter un peu. Hop, toi tu me l'empoisonnes, ça on n'en parle pas. Blackjack, ah oui j'avais pris ça, c'était des rebondissements. Mais saignement d'abord pour tout le monde. On est généreux, hop, voilà. Oh t'as mangé, oh t'as mangé. T'as tellement mangé en fait d'un coup. Ah, 21. Ah vous êtes chers quand même un peu les enfants. Ça tarif un peu. Hein. Ah, parfait. On en fait un de moins. Ça de moins géré. Oh, c'est parfait, ça fait ça de moins géré. Très bien. Mort. Et. Ah. Choisis, tu choisis. Hein. Tu peux jouer, mais tu peux mourir aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça, je l'ai pas testé encore. Voir ce que ça fait. Ça fait pas très mal. Ça sonne. Ça fait plus mal qu'une attaque de croûte bas, je dirais. Ok. Du pognon. Le coffre, c'est pour toi, mon ami. Hop, le contenu m'appartient. Dommage que je n'avais pas de clé. Bah, en fait, dommage que j'ai soigné les gars, en fait, et que du coup, j'ai pas pu les équiper convenablement. Comme quoi, c'est important de bien équiper hein, une troupe pour un donjon, parce que du coup, je m'éviterai tout ce stress, tous ces problèmes, parce que déjà, j'aurais pu prendre une pelle. Je me serais équipé. Esquiver tous les problèmes de stress. C'est assez top. Ouais. Ouais. Sachant que là, je peux encore avoir du stress parce qu'on m'a pas encore demandé de manger, mais ça va arriver d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'à un moment donné, ça va nous tomber sur le coin du nez. Ouais, c'est ça. Eh ben non, on peut pas manger. Ouais, 100% de stress garanti. Ils sont deux à péter un plomb. Paranoïaque, normal. Et c'est Narpon, irrationnel. Ouais. Allez, on avance. On la ferme et on avance. Pas de pelle, j'ai rien. Voilà, t'as pris une infection. Prends-me-la et prends. Voilà. Hop, on avance, on avance. On peut la gagner, on peut la gagner. Hein. Bah, d'ailleurs, on va la gagner, il n'y a pas le choix. Stress ou pas, je ne vais même pas en entendre parler. Elle doit rester... Ouais, ok, c'est cool. C'est vide, abruti. Calme-toi. Une torche. Ah, avec des contrats. Mais je vais pas utiliser la torche. Non, parce que du coup, je veux bénéficier du bonus de critique et le bonus de loot à fond, quoi. Hop. Oh. Arrête de la ramener. Qu'est-ce que c'est que cette belle chose? C'est un truc dans lequel il y a des torches. Une torche neuve, je t'en prie. Fais des trucs débiles. Oh, mais t'es sérieux? Bah non.
On me demander deux fois de manger ces vaches quand même. Injurieux. Ok, sympa pour le moral des copains. Par contre, faut que je retape un peu le... Valablement. Des gens méchants. Ouais, on est tous surpris, forcément. Ah, le jeu a envie de me punir. Ça a augmenté toutes les résistances. Ouais. D'accord, ok, la peste noire, machin, tout ça. Ok. Bah, ça, tu prends. Bon, au final, l'ordre n'est même pas gênant. Spécifiquement gênant. Ok, c'est pas grave. Dis ta vie, mec, ne saoule personne. Saignement pour tout le monde, c'est la fête. Allons-y. Éthique, ferme-la. J'ai envie de dire, fais ton travail. Oui, je m'en fiche, là, ils sont stressés jusqu'au bout, y a pas de souci. Ça va très bien se passer. Un petit shot d'arbalète là-dedans. Voilà, comme ça, quand elle joue, elle meurt. Voilà, c'est parfait. Ça va très bien. Alors, être un brutal. Ah, elle critique, hein. Bah oui, critique les mecs. Hein. Oui. Et oui. C'est le bonbon critique. 13. Par contre, je fais mal aussi un peu, hein. Je te fais un peu mal quand même, hein, bonhomme, hein. Ok. Bon, on tient le coup. Oh, t'es sérieux, il lui reste un point de vie, l'autre. Sérieux. Les monstres ont un point de vie, quoi, dans ce jeu. L'histoire. Oh, concentré! Ah oui! Ah, mais ceci dit, il faut dire qu'entre les critiques qu'elle nous a lignées. 1, 2, 3, oui, qu'est-ce que tu sais pas compter, tais-toi. Tais-toi, tu sais pas compter, tu déprimes les autres tellement tu sais pas compter. Tu joues pas. Bon bah, regarde, lui, il joue. Bah, tu joues pas. Tout l'arrête de jouer. Parfait. Ouais, non, mais fichu la paix un peu. Laisse les gens travailler, toi, sois sympa. Un point de vie. Poutant un point de vie dans ce jeu. Ah, tu l'as. Très bien. Voilà. Hop. Ah, t'es mort. C'est parfait. Parfait. On s'en tire très bien. Infection quand même un peu. Hein. Voilà. Parfait. Toi, tu ne peux plus tirer. Bien. Tu vas pouvoir soigner ce type. Alors, ouais, tu as un superbe crit. Magnifique. Oh, silence. Toi, t'as frappé le... Non, mais ça, c'est débile. Là, par contre, vois-tu, mon ami, c'est débile. Et, ouais, un bon petit coup de latte dans les gencives, et c'est parfait. Allez. On va trouver une clé. Non, je continue l'aventure. Push on to the task's end. Je sais pas, tu veux que ça marche. Ça marche pas. Un biscuit pour chien, ça marche, donc ça marche pas. Bon, bah, prends comme ça. On tient une carte des environs. Vachement pratique, merci, au revoir. Carte des environs, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Pour utile des îles. Bon, 3000 pesos. Bon, masse de blason encore. Contrat, 4 plus les 4, on a 8. C'est pas mal. On a même eu la chance de looter un petit tableau avec. De protection, 3% de capacité à distance, n'a aucune capacité à distance, moins 10% de soins reçus, c'est pas trop grave, 15% de résistance au déplacement. Très bien, c'est très bien. S'en est très bien tiré, hein, même si le jeu sur la fin a voulu me punir un peu là, a pas trop aimé que j'aille pas jusqu'au bout, retaper un mur, etc. T'as dit, t'as voulu m'esquiver, tiens, prends-toi une petite claque, va, fumier, comme ça, le jeu il est comme as. Donc là, ici on a des. 5 de précision, ouais, on va pas pouvoir tirer grand chose de notre équipe de niveau 3 pour l'instant. Ah, tu coûtes une fortune, salaud! Sérieux? Seriously? Ah, attends, avant de faire ça. Toi, tu coûtes bien, l'ami. Coûte que des parts machin et j'en ai même pas assez. La guilde, j'augmente la guilde aussi, c'est que des tableaux, j'en ai pas assez. Bon. Montre-moi ce machin. Là, j'en ai beaucoup qui ne peuvent faire que prier, donc pas trop faire les kékés là-dessus.
Ça c'est bon. Bon bec, t'es encore tendu, hein. Ça vous êtes encore tous tendus quoi. 1275 balles. Et oh, comment ça se fait que ça coûte aussi cher là? Comment ça se fait? Arman, explique-moi. Face à deux, le nombre d'emplacements. On le barre. Ouais, ça reste cher quand même. Les tableaux, c'est toi. Au 15. Ça c'est quoi? C'est la réduction du coût. Ouais. On va quand même passer le nombre de places à deux. Ils vont déjà me siphonner tout mon fric quoi. Oh. Sérieux les enfants, c'est déjà plus de pognon là. Le tétanos, 975. Il va me rester 1000 et quelques pesos. Jugé. Ça me coûte cher. Ça me coûte très cher. Tellement que je les envoie tous au suicide. En vrai, faudrait tellement tous les suicider, c'est fou. Niveau de tes talents, et c'est ça, c'est bien ce que je me disais, vous avez encore que des talents de base en fait. Non, toi c'est bon. T'as encore des talents de base. Ça va coûter trop cher de t'augmenter. Ça va pas être possible. On se retrouvera donc dans un prochain épisode. Ah, attendez, si j'ai aussi le truc du template là. Tac. Je le vends 1125. 15% de dommages au corps à corps, moins 10 aux capacités de soins. Je vais peut-être pas bourrer sur le même, deux fois le même truc. Donc, ok, je le vends. Ce qui va me permettre d'augmenter gare. Ici, ici, ici. Parfait. Parfait, parfait. Je pourrais même augmenter le vide sang. Il me resterait 1500 balles pour l'aventure. C'est pas fou, hein, 1500 balles, mais c'est 1500 balles, quoi. Et vous êtes 1, 2, 3 à être intellectuellement valide. C'est compliqué. Ce qui complique beaucoup de choses. Il m'aurait fallu potentiellement... Oh. Ah, un deuxième voleur, ça peut être cool, un deuxième bandit. Je pars avec quelqu'un qui a déjà pété un plomb, sinon. Partir avec quelqu'un qui a déjà pété un plomb... Ah, ça pourrait être Sénarpon. Ouais, je pourrais partir avec Sénarpon. Je pense que ça peut se bricoler comme ça. Ça me fait déjà potentiellement un healer dans le groupe. Donc voilà, bon, je pense qu'on va bricoler comme ça. Le prochain groupe... Et bah écoutez, on se retrouve dans le prochain épisode. C'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming. À la prochaine, ciao.